que c'est à peu près pas flou. Oh, ça devrait aller. Coucou du mardi 25 avril, en direct du chantier du bazar. Je me demande si ça va pas résonner un peu là, on verra ce que ça donne. Bon bah ça y est, hein, je me suis lancée dans mon rangement de coins loisirs créatifs. Et ben écoutez, encore un truc qui sera fait là pendant les vlogs, j'allais dire les vlogtober, non les spring vlogs, et enfin ça sera fait. Je m'avance peut-être un peu trop. Disons que c'est commencé, c'est déjà ça, non? Bon, enfin bref, donc voilà, je me suis lancée dans mon rangement de coins loisirs créatifs. Parce que là, il y avait vraiment trop de pagailles. C'est un endroit qui me sert donc effectivement pour ranger tout mon bazar de loisirs créatifs. Et en même temps, c'est un espace dans lequel mon mari fait encore un petit peu de télétravail de temps en temps. Donc multifonction, alors qu'il n'y a pas beaucoup de place, ce qui n'est pas l'idéal. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'a pas de pièce dédiée à un bureau ou un truc plus grand. Bon, c'est juste un petit coin dans notre chambre. L'idée là, ça va être d'abord de continuer à nettoyer parce que bon, j'ai enlevé, poussé les meubles, bureaux, tout ça pour pas faire un coup de poussière, le truc que je fais vraiment beaucoup trop rarement à cet endroit-là. Et je le fais rarement parce qu'en fait, c'est encombré de plein de trucs. Donc, c'est clairement pas facile à faire. D'où mon idée d'essayer de désencombrer et de ranger, optimiser le rangement en achetant par exemple des boîtes de rangement, des trucs comme ça pour que ça soit plus facile. Enfin voilà, donc je vais commencer par bien nettoyer et puis dans un premier temps jeter les choses qui sont à jeter, hein, les trucs abîmés, les petits bouts de bidule qu'on garde, mais qu'on garde depuis tellement longtemps que bon, est-ce que ça a vraiment encore un intérêt de les garder? Team, je conserve tout. Et ensuite, je vais faire du tri, donc avec une partie de choses dont je me sers plus et qu'éventuellement je voudrais donner, revendre, voilà. Commencer là par les bouquins. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir trier. Et puis bah, ensuite, donc tout ce que je garde, vraiment essayer de regrouper au même endroit les mêmes choses, quoi. J'y retourne, hein. En plus, je me suis lancée là-dedans alors que cette semaine, les filles sont en stage piscine. Et clairement, là, ce matin, ça a été speed, speed. Demain, on a de la famille à la maison. Et jeudi, la grande, elle est invitée chez une copine. Oh, bah, facile, hein, j'ai envie de vous dire. Et logiquement, il faudrait quand même que jeudi soir, tout est réintégré plus ou moins sa place pour que vendredi, ça soit... Je n'ai plus rien à faire, quoi. Il faut vraiment que d'ici le week-end, ça soit terminé. Oui, oui, enfin même bien avant d'ailleurs, hein. Mardi, mercredi, jeudi, c'est mon objectif. Après, finito. Donc, j'y retourne. Mon Dieu, que cet angle n'est pas avantageux. Alors, non pas que je veuille à tout prix... C'est mieux. C'est un petit peu mieux. Ah, non pas que je veuille à tout prix paraître magnifique et merveilleuse, mais enfin quand même, là c'était... c'était un peu terrible. Bon, je retrouve pas mal de choses quand même. Alors, moi qui adore garder, conserver et tout, là je vais me faire un petit peu violence, mais parce qu'il y a un moment quand ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que vous avez certains livres dans votre bibliothèque de livres de loisirs créatifs, mais que vous n'avez jamais rien fait dedans. Peut-être qu'il est temps
de sang séparés. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis en train de me faire une petite pile de trucs. Alors, la fille aimait le Liberty. Hein. Enfin, aime toujours hein, d'ailleurs, mais... je vais voir avec mes copines qui commencent la couture si éventuellement il y a des choses qui leur disent. Mais... Voilà. Et un truc... Coucou Véronique qui, je le sais, me regarde de temps en temps dans ses spring vlogs. Coucou. Tu as vu? Bon, toi, je te garde. Mon crochet, tricot, tout ça, je vais garder. Mais alors, la couture... J'aime tellement pas ça que je sais pas. Après, si ma fille met le nez dedans, je pense que ça va être raté. Je vais être obligée de revoir mes objectifs à la baisse. Mais bon, j'avais également, je sais pas si vous, celles qui font de la couture ont aussi suivi ce truc-là. Mais pendant un moment, on cousait quand même pas mal de trucs, de patrons japonais, etc. Alors déjà que la couture c'est pas mon truc, mais alors la couture quand en plus tu ne comprends pas la langue, c'est quand même, de mon souvenir c'était assez facile quand même, mais bon j'ai peut-être un peu, en tout cas j'ai fait des modèles de ce truc, hein, c'est sûr, puisque il y a des patrons de découper et tout ça, mais bon je pense que ça va partir aussi, tous les trucs de couture... Je pense que ça va partir. Bon, celui-là, il est quand même fun. Ah, oh, ma fille qui se met à la couture. Je vais peut-être lui garder quand même celui-ci. Il est beaucoup trop drôle. C'est dur pour moi. C'est dur de lâcher les trucs. Très, très difficile. Pareil, regardez-moi ça. Un petit livre sur les maisons de poupées. J'avais dû trouver ça en brocante, je pense. Oh là là. En anglais, en plus, dingo. Bon, si j'avais une maison avec plus de place, avec vraiment un espace où je pourrais éventuellement stocker des choses, mais ce n'est pas le cas. Voilà, on n'a pas de grenier, puisque notre grenier, c'est notre chambre. Et notre cave, elle est malheureusement trop humide pour pouvoir conserver des choses. Genre, typiquement des livres et des trucs comme ça, c'est pas possible. Donc, voilà, hein, on va pas aller louer un box ou je ne sais quoi. Donc, il faut... être raisonnable. Si vous voyez des choses hein, qui vous font envie, vous me dites. Hein. On verra ce que je fais de tout ça. Allez, je continue. J'espère que tu fumes que la boîte. Quasiment. Par contre, j'ai filmé ton gros mot. Bravo. Exploiter ses enfants, c'est le mal. Mais... Oh, ben pourquoi il veut pas faire le point? Ça va, c'est pas trop galère? Si, si, clairement. Merci de le faire à ma place. C'est le moment où il y a tellement de chantiers que tu te dis, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Pourquoi? Pourquoi? Bah pour que ça soit mieux après, hein, mais là, pendant... je vais faire une petite pause. Je ne sais pas si c'est la meilleure des stratégies. Aurais-je envie de revenir après? Eh ben, on verra. Rien n'est moins sûr. Oh, je ne suis même pas dans le cadre. Mais je vais quand même faire une petite pause. Bon, je crois qu'il doit être pas loin de 11h. Non, peut-être pas quand même, je ne sais pas. En tout cas, tard.
Vous vous en doutez, le rangement n'est pas terminé. Mais... meubles montés, grâce pas à moi, grâce à mon mari, qui a tout terminé ce soir. Le pauvre. Je fais vraiment un micro rangement de laine, histoire de faire un petit peu de place pour la nuit. Mais on reverra un petit peu tout ça demain. Oups, je vous ai fait bouger. Ah, au fait, il s'est passé quelque chose. Notre petite coiffeuse qui est passée tout à l'heure pour coiffer toute la famille. Ça fait du bien. Et tout mon stage de laine quasiment, presque. Pas tout à fait, il y a quand même d'autres petites choses. Mais en écheveau pur et dur, tout est là. Hein. Et un petit peu encore en dessous là qui arrive, que je suis en train de ranger. Donc ça va, c'est raisonnable, non? Voilà. Bon, je termine ça. Je pousse un petit peu pour qu'on puisse s'installer, circuler cette nuit. Et après, je vais bouquiner au lit. On se retrouvera demain pour, je pense quand même, la fin de cet aménagement, de réaménagement, enfin, je ne sais même pas comment on peut dire. Voilà, tout ça c'est bon. C'est beau. Ouais, donc on se retrouve demain pour ça. Qu'est-ce que j'ai... je vais être un petit peu en retard pour la publication de ce Spring Vlog. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il va certainement arriver celui-ci seulement dans la journée. Et plutôt que d'être là, d'être en ligne dès le matin. Et dans mon tri... j'ai trié aussi, alors pas sûr que ça reste sous cette forme comme ça, mais j'ai trié aussi toutes les lettres, tous vos mots que j'ai reçus, soit dans le cadre des velléneux, soit pour des petits cadeaux que vous m'avez fait parvenir, soit quand je vous avais demandé si vous aviez des restes de Liberty pour me faire des petits coupons, pour faire une couverture pour ma pépette. Alors j'ai survolé un petit peu, j'ai essayé de ne pas trop rentrer dans les détails de lecture parce que sinon, ça aurait pris des heures. C'était trop chouette de trouver ça. En même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai un gros panier de laine là. Et l'idée, ça serait que ici, en bas là du meuble, je mette aussi, mais bien rangé, donc... Dans des petits paniers ou je ne sais pas, mes restes de laine genre à chaussettes, enfin voilà, que ça soit bien organisé. Donc en même temps que je discute, je réfléchis à ça. Mais je crois que ça attendra demain quand même, les affaires d'aménagement et tout. C'est plus raisonnable, hein. Donc je vais clore ce vlog ici, hein, un vlog de rangement. On aime. Moi, je suis quand même pas peu fière. Alors, pour l'instant, c'est très loin d'être fini. Mais je suis pas peu fière de m'être lancée. Et de me dire que peut-être demain, j'aurai réussi cet objectif que je m'étais fixé en début d'année. Et que vraiment, je ne pensais... enfin, je voyais que ça allait durer. Bon allez, j'arrête de blablater, il est vraiment temps d'aller se coucher. À demain. Ciao.